Hello? Hello, are we live? What is up, people? We are playing Halo. What are you guys doing? Let me put the sub goal. Do you have a camera that I can put here? That won't crash? Please don't crash. I don't care if you crash anyways, because now... Okay. Can I show you this? Elimination. Quickly. I got a new microphone. Heck yeah, boys. And so let's go back to Halo. So yeah, new microphone. So like, I don't fucking care if my webcam crashes as always. Because yeah, sure, I won't have the camera, but I still have the microphone. And that's cool, isn't it? Anyways, I'm pretty happy with this purchase, as you can tell. Yeah, pretty nice. Okay, so let's play. No problem. No problem. Yeah. Let's go. Wanna talk in chat and all? That's fine by me. It's smooth as fuck also. The frame rate. You gotta love that. I feel like a real streamers. Streamers. I'm a streamers. I are the streamers. Bonjour, vous êtes le streamer. Streamer. So if anybody's here, so say hello in the chat. I don't see anybody for now. I haven't met anyone in game either. Let's follow the noise. Maybe like prepare your hands. Stop sweating. I'm so fucking sweaty all the time. My hands are moist. Oh, that's fucking loud. I need to lower my volume. Hey, you think? Well, you thought good. Okay. Let me. Yes, it's hard to be. To live a life of sweating and moist hands. Moist. That's how you pronounce it. Moist. Because you gotta always in between your deaths and stuff. You need to like clean up your hands. No, fuck. Oh my god. See, you can't play. You're stuck. Anyways. Let's see if the camera has crashed yet. No, it has not. Which is good. I'm happy. If like the fact that I'm not using the camera's microphone, the webcam's microphone, is like freeing it up in some way, you know. If it doesn't crash, then that's good, and I'm happy. No. I need you to die and me to survive. Like, fuck. Not like this, for example. You messed up. This was not the correct way. What's that? Whoa, hold on. What's that icon for, like... Somebody died, but in a weird way. Was it the laser? Is that the icon for when you die with the light? I kind of want to test it, actually. Yeah, that's the laser icon. Okay, interesting. Don't mind me, they're just throwing away my lives. It's not like I really did anything good this game anyways. Oh my god, two people on me. Why? I didn't do anything. I only got the assist, what the fuck? Oh, interesting question. If I just jump here. 10 Spartans remaining. I guess I just wanted to check if my EXP ball is gonna be available for people to pick up, but I guess I can't really see it from here. Everybody's here. Use AFK. A lot of balls here. The balls. Anyways, good game. Let's see what our friend says. Io Sakurai.
just follow there. Can you stop processing the message, the images? It's really fucking annoying. Sorry for being rude on the stream. Let me 2 minutes. Yeah. Oh, grabs. Maybe our friend wants to play some games with us afterwards. I don't know. We will see. Hello, I'm back. I'm back close to my microphone. Yeah, pretty sweet. Honestly, it's fine. So like one thing, I'm just confused. It seems to be mono, actually. Wait. Oh, okay. Okay, I get what's happening, because... So, like... OBS was showing me that my microphone was mono. It was actually only showing one bar, you know? Not two bars. For the two, like, left and right. So I was like, yeah, it's mono. And now I see two bars. I'm like, what the fuck? Why are there two bars? Well... Because I'm actually using NVIDIA Broadcast for like the effects, you know, to clean up the noise, background noise. And so they, like, NVIDIA Broadcast takes the mono microphone and then it generates a new microphone without the noise, which has two channels, you know, just in case. Just in case you're using a double microphone, you know, it needs to have the two channels. So yeah, but then both channels are at the same level here. Okay. So let me just think. Hey, fuck you. No, I won't let you. I am smarter than you, and you're gonna die. Cause I am too. Cause I aim like fucking trash. Just die. Come back, you fool. Come back, you fool. Come just. Kill me after I've done all those cool trick jumps, bro. This is my climbing monkey spot. This is my spot on this map. I'm not gonna move from here. Cause you can do so many cool tricks. Like you can jump here, you know, and bamboozle them. You can like climb up this big rock, which it doesn't look climbable, you know, but you can actually climb it. You can snipe people from here. Go get the, I'm gonna go get the thing. Okay, one people here. No, you're coming close, huh? Well, I got the wrong weapons, finish you off. Wrong decision. Okay. This is not gonna do, my man. This is not gonna do. I am so on that rampage now. What the fuck is happening with me? What divine, ungodly powers have manifested within me. Don't mind me just trying to be funny or doing impressions because of my new microphone. Yeah. I thought I was kind of tired and didn't want to like play or say things. But actually, you're dead. Oh my god. I'm so fucking good. Actually, I'm not that tired anymore. Funny. So yeah. Yo, hello. Okay, you die. You die. Thank you. Anybody else coming? I kind of want to answer my friend, but I fear I'm going to get killed. Oh, fuck. I'm stuck. Okay, hold on. Everything is good. I didn't need to see that right now. I don't know how I activated the Discord.
Yeah, I'm totally gonna die, oh my god. Okay, hold on. How do I activate the freaking Discord overlay thing? That's interesting. Is there any button I can use to turn it on? Something like that? Maybe. Nope. It's one of those buttons though. Nope. Weird. Pretty weird. Can I? Oh, that's a camo. Time for the silent running. I'm running. You don't see me. I don't see you either. But like, you know what I mean. I got stuck. Go down. Health. Recharge. Recharge your shields. Thank you. Okay, where are you, bro? You wanna fight? I'm gonna go back to my monkey spot. Let me. No. Hey. Nice. I want it all the good weapons you have. Okay. Oh! I'm gonna swap anyways. Okay, just give it back to me though. I don't mind having some more movement option. Whoa, that's a crab gun you've still got. And okay, well, mine are crappier because they're not reloaded. Fuck. What's the thing for the Discord overlay? Is it alt? No. What is it? I'll have to check after the match. Oh, that's some ripe kills right there for me. Oh fuck, I'm being shot from behind. You freaking thought. Where are you, fool? Show your face. Oh, never mind. I don't care about your face. I just want the power ups. Good. This drop shield is really broken. Like, I don't know if they buffed it or something. I know that the pros were like, oh, it's trash, it doesn't mean anything. And now they're all like, oh, it's actually pretty good if you time it well or something. I don't know if it's because of buffs. But it do be pretty cool. Honestly, it saved me quite a few times. Even if I didn't actually prepare that much. Fuck. No. I'm getting triple gangbang. I mean triple. I'm part of the triple, you know. Part of the trio. How much do I have? Okay, I'm in the lead. I'm fucking rocking. I don't know what's happening with me these past few games. I like the skybox though. The zone. It's kinda lit. Kinda lit literally, because it's red glowing, whatever. Not me trying to be funny. Danger zone incoming. Hope this gives us an edge. Okay. I'll do some scanning. Scanning around. My dude, what did you just pick up? Oh, invisible. Oh, fuck. Okay. We're going back now. Not gonna. Never mind, because I kind of wanted the grapple. Give me the grapple. What the hell? Shut up. No. Oh, that was a drop shoot. What the fucking moron? I thought I had the. You know, the thing that pushes you up. The bouncer. The repulsor. Yes, that's the name. This is the name. Hey, dude. Three Spartans remaining. It's my kill. Thank you. Now you die, and I have more lives than you, and now you're probably scared. Makes me think back to the time where I was, like, do you remember the video Unfair Showdown, which I did? And I was facing against a person which had, like, 4 lives left. And now I'm that person with the fucking ridiculous amount of lives left, you know? It's so interesting. Because it's not that ridiculous now that I think about it. And hopefully he doesn't win, because that would suck. So let's focus a bit more, right? What'd you say about that? Hey, you don't got weapons to challenge me, right? Let's go. Okay. Sweet.
Cause I don't know how many lives I got left last time. I think I had, I'm not sure, but maybe I actually had four or two. Like here I only had three, but I mean I have two. I had two games which I recorded, you know, but I didn't stream. I'll put them up. Put them up. I think they're deep. Yeah. Okay. Let me try to go on Discord and do some calling. And my camera hasn't crashed yet. This is so fucking good. I love it. Cool. Yes, cool. Hello. So. Hello, friend. Guess who's live streaming with a new microphone? Hey. Okay. Nice. Better quality. Yep. So I saw you playing Hello Internet. Yes. Do you mind if I join you? Yes, yes, yes. Let's go. Tu veux... Ah, tu veux jouer à Halo? Ok, parfait, parfait. Bah si tu veux, après on peut jouer à autre chose, mais comme tu jouais déjà à Halo, je me suis dit, après je sais pas si je vais m'en sortir sur Halo. Mais ouais, on sent la qualité du micro est différente. Elle est bien, elle est bien. En plus j'essaie de... je me suis dit, vas-y, j'ai un nouveau micro, j'ai plus besoin de Nvidia Broadcast. Bah mes skins non, parce qu'en fait mon ordi il fait toujours derrière, tu vois. Ouais, non, bah c'est toujours un peu mieux, mais par contre c'est quand même la qualité est meilleure. Ouais. Parce qu'à un moment, tu vois, je me suis dit, bon ça va, je vais essayer de... Parce qu'un truc que je me rendais pas compte, je mettais, tu sais, mon réduction de bruit au maximum et tout, je mettais tout au maximum. Et j'y réfléchissais même pas. Parce que... Parce que mon vieux microphone il était tout pourri, quoi. Mais là, comme il est mieux, et bah j'ai vu, ah mais en fait un slider, tu peux réduire la réduction de bruit, et c'est bien, donc je la mets pas tout en haut. Ouais, t'es pas obligé de la mettre à fond. Surtout parce qu'en plus, des fois genre, tu vois, j'essaie de chanter et tout, et je fais un petit son strident ou aigu, genre, et il dit, mec, ça c'est du bruit, je coupe. Je suis en mode, non. C'est nul. Quand j'essaie de faire le chant de Halo, là. Oui, bah faut le mettre au haut niveau, que ça te convient. Et après c'est bien parce que c'est... Genre si t'as des bruits qu'ils considèrent comme du bruit mais pas trop, genre comme par exemple quand tu tapes ta souris, bah il va juste le réduire un peu, tu vois, en fonction de ton truc. Donc au moins, tu vois, du moment que c'est un peu moins fort, c'est bien. Du moment que c'est pas aussi fort que ta voix, c'est cool. Voilà, PG. Même si ça s'entend, tu vois, c'est des bruits naturels. Mais du coup, t'avais commandé celui que t'avais filé ou un autre? Absolument, ouais, et il est sympa. Au départ, je me suis dit, c'est trop marrant parce que je me suis dit... mais en fait c'est trop nul, comment il fait genre tu peux bouger que la deuxième partie du bras en fait. Mais en fait non, tu peux aussi bouger la base. Mais ah oui, tu sais, tu... C'est juste genre, je crois il était un peu rusty genre. En mode fallait que tu la bouges un peu dès le début. Et puis en plus il faut déjà que tu le clampes, parce que c'est compliqué de bouger une hinge où genre t'as un des bouts qui est ultra petit, tu vois. Il faut du poids, quoi. C'est fait c'est fait pour résister. Et du coup c'est pratique parce que en plus bah du coup c'est devant toi, mais t'as à mettre tes mains devant sans que ça soit gêné et tout. Yes, yes, c'est absolument incroyable. Je peux la décaler comme je veux et tout, je peux la mettre sur le côté genre. Et tu t'en sers pas ou... Et voilà, je peux la mettre un peu plus loin pour pouvoir taper à mon clavier. Et après je peux revenir, bonjour. Tiens, on t'entend un petit peu moins bien mais on t'entend quand même. Yep. Après j'ai pas mis le... Tu sais, t'as un petit bidule là que tu peux mettre par dessus. Oui. Mais ça me fait un peu trop le son, genre moi j'aime bien les sonorités aiguës dans ma voix. Ouais, bah moi je t'avoue que j'ai tout mis. Comme ça, ça y est, ça élimine un maximum de bruit parasite. Nouveau microphone. C'est bon. Enfin, le jeu a fini de charger. Je change le titre du stream en French. 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 Do you want to play in French or not? Are you a boy or a girl? Are you French or English? Bon, tu m'invites du coup.
Ouais. Alors la musique elle est un peu trop popping off dans mes oreilles là, à mon avis. Attends, audio, comment on fait? Comment on fait? Musique, menu musique, ou alors... Je vais te calmer 4 secondes. C'est où que c'est quoi tab All Chris. C'est bon, j'étais invité. Normalement, j'ai cliqué sur Join. Et yep, normalement, là, t'es dans mon squad. Multiplayer. Ouais. Alors, oh, on va pas faire le Spartan Standing dès le début parce que sinon, tu vas être paumé. Attends, t'es pas dans mon squad là? Il me dit que le multijoueur est pas disponible. Oh, ça va marcher un moment. Parce que là, ça me dit tout le temps que je suis le leader de l'équipe, mais. Bon. In the menus. Ça me dit que t'as rejoint. Bon, là, t'es là. Est-ce que tu me vois? Non, je vois rien. Quand tu vas dans le menu multijoueur, genre. Ouais, ouais, j'y suis. Mais genre, ça charge, il y a le logo de avec l'aigle là en boucle qui apparaît. Et ça me dit que je suis toujours le team leader. Bah, moi, je te vois dans genre, toutes les 5 secondes, il me dit. Bah, je vais essayer de commencer une game et on va voir si ça marche. Bah, je te vois dans ma Fire Team quand j'ai dans mes paramètres, mais sinon, non, bah, te lance, ouais. Alors, bon, attends, ouais. C'est pas bon. Land grab, ça marche ou pas? Est-ce que tu veux faire le mode contrôle de Apex, mais dans Halo Infinite, genre pour de vrai? Non, attends, on va faire. C'est quoi? C'est Team Slayer, parfait. Ouais. Ok. T'as vu mon nouveau skin Bah du coup non, je vois pas les persos. Ah, mais si tu vas dans le menu là, dans le si t'appuies sur tab. Bah non. Genre ça charge en boucle. Ah putain, ça vient de s'afficher. Ok, ouais, il est intéressant. Parce que ouais, j'ai chargé. Bon, en fait, c'était pour un événement, je sais pas quoi, en mode comme la deuxième guerre mondiale ou un bail du genre, des armures un peu plus. Oui, j'ai pas le nom du thème, mais en gros, on dirait grave Blood Hunter. I will shed some blood together. May the God bless us. Voilà, donc je suis Blood Hunter dans Halo. C'est incroyable tous les crossovers qu'ils font. Ça fait longtemps à charger. Ça charge les autres joueurs. Bah c'est un peu. Moi ça me dit que la map elle charge. Ouais. Bah dis-toi que Apex ça prend tout autant de temps à charger aussi. J'en ai. C'est juste là en fait t'es beaucoup plus longtemps dans les menus. Ou alors je réfléchis. Ah, c'est passé de 54% à 97% d'un coup. Ok, non, c'est pas si long que ça, ça va. Slayer. Là, tu vois, là, on va aller charger et tout. Donc là, c'est Slayer, c'est juste bataille entre teams, plus de kills. Genre match à mort en équipe, quoi. Ouais, un bail du jour. Je n'ai pas les termes. Les maps sont jolies. Ça, c'est une des nouvelles maps de la saison 2. Elle est. Ah! Miam! Elle est délicieuse pour les yeux. Surtout les deux bords de la map avec les nuages où on spawn. Oh, incroyable. Trop beau. Genre, si tu veux, juste, genre, va pas te battre. Juste retourne-toi et regarde un peu. C'est. Ah! Incroyable. Oh, mais le truc, il change pas vraiment bien. Les textures, elles sont buggées. C'est peut-être parce que t'as pas démarré le jeu pendant longtemps. Ouais, mais là c'est chaud là. C'est pas parce que t'as throttle ton PC ou un bail du genre. Bah non. Oui, le throttle du PC. Toujours chiant moi avec les remarques sur tes modifications. Alors, contrairement à Splitgate, les grenades font des dégâts. Fun fact. Ah,
Oh, attends, est-ce que tu peux faire des tricks comme ça? Attends, c'est incroyable. Oh merde, bah on va passer, t'es nul comme moi et que tu tombes de la map. Quelle andouille. Attends, je vais essayer de rester à côté de toi. Oh mon dieu, la map elle est belle. Mais putain, comment ça il a pas pris de dégâts ce gars? T'es genre en mode en train de te battre et tout au milieu de la map, t'entends les bruits de l'intérieur de la map et tout. Et là tu respawn, t'es au bord de la map, t'entends les oiseaux derrière toi, y'a plus aucun bruit de tir. C'est bien de trouver. Incroyablement satisfaisant et, ouais, et beau. Je suis là. Alors. Avec l'épée, ce bâtard. Oh, je l'ai tué. Quel nul. Quel nul, ce guys. Je suis puissant, wesh. Ce que je viens de faire, c'était... Ah, clip worthy. Ah, tu vas faire quoi maintenant? J'ai l'épée. Ha. Ah, tu croyais. Vas-y, approche. Ha. Tu savais pas que j'avais l'épée, miskin. Ah, mais ça marche comme ça. Genre la grenade, genre tu la lances direct en fait. Ouais. C'est assez... Moi, alors Halo, faut que je te fasse un petit recap de c'est quoi Halo, genre peut-être pour que tu tires trop. Mais en gros c'est... Il y a une sorte de danse dans ce jeu, tu vois, c'est pas en mode genre tu te fais absolument meltdown dès que les gens ils te voient et genre c'est... Qui c'est qui a vu qui gagne, tu vois. Là dans ce jeu c'est en mode genre si quelqu'un il t'a vu tu peux absolument le meltdown, un truc de fou malade quoi. Le fait de voir quelqu'un en premier ça aide pas grand chose. Dès qu'il y a deux personnes qui se voient en gros t'as une sorte de danse qui commence. Et cette danse elle se fait avec les guns, la mêlée et les grenades. Ah, tu savais pas que j'avais l'épée. Quel nul. Ah ouais. Oh mon dieu, bon bah maintenant il savait que j'avais l'épée. Donc ouais, toujours essayer de caler des grenades, tu vois, par terre comme ça pour leur dire non, tu vas pas passer. Il y a une grenade par terre, donc la première je la lance. Et là, je te conseille de reculer peut-être. Jamais. Ça marche pas. Ouais, l'épée elle peut lunge mais pas de trop loin quoi. Tiens attends j'arrive, on va shred des gens ensemble. Ah d'ailleurs ouais tu peux ping des choses, je sais pas si tu as un bouton pour ping. Oh mon dieu c'était tellement un bon placement de... Je me suis jamais fait tuer par une grenade comme ça. Il a balancé une grenade sur le sol pendant que j'étais en train de monter sur le mur. Quel génie. Il est mort. Non, il y a des gens là. Enemies over there. T'as rien à ping? Non. J'ai sûrement dû le bind au même bouton que sur Apex peut-être. Ok, vous êtes là-bas, j'arrive. Il y a les power items, alors. Oh mais ce bâtard il a pris le overshield ici. Non mon dieu, j'ai pas de vie. Je ne peux pas me permettre de faire de la merde. Pourquoi la touche? C'est pas mal. De toute façon le ping c'est juste genre pinger des endroits et pinger des ennemis. C'est pas... Et tu peux aussi pinger des objets ou des armes. Genre c'est bien quand par exemple t'as les... T'as les power weapons, tu peux le pinguer comme ça, genre les gens ils se bougent pour aller le chercher. Okay. Mais je suis... Dans ce jeu, j'adore être un singe et grimper sur tous les trucs possibles et imaginables. Et tu vois, genre j'ai joué à Speedgate et là j'ai joué à Halo Infinite et je me dis... Putain, c'est tellement bien Halo Infinite, genre c'est tellement... Tellement de polish, genre c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de modes et de playlists et de contenu techniquement. Enfin bon, tu vois, Splendid, il a vachement de contenu, mais tu vas me dire, la qualité du contenu elle est pas. Je vois pas des gens acheter le Battle Pass parce qu'ils se voient le skin, il est ultra épique quoi. Alors que Halo Infinite, bon, il n'y a pas beaucoup de contenu,
j'ai quand même beaucoup de gens acheter le Battle Pass parce que le contenu est plutôt stylax en vrai. Tu vas faire quoi avec ta petite épée quand même? Aïe. Genre, rien que les maps qui sont incroyablement belles et jolies avec le simple design, genre. À l'intérieur, t'as des bruits de d'eau et de plantes et de machines, et dehors, t'as des bruits de vent et d'oiseaux. Ah. Halo, tu joues à moitié pour le gameplay et à moitié pour les vibes. Wesh, il est plus derrière toi. Monkey! And the monkey! Et on est à deux. Eh, regarde, attends, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Regarde, regarde, regarde ce que tu peux faire. T'es là, attends. Oui, je suis là, je suis là. Regarde, regarde, regarde. C'est que tout. C'est trop belle. Vite là! Tu peux grapple les. Ah, tais-toi! Oh mon dieu! Let's go! I'm behind your back, buddy. Ah, deux personnes ici. Les front par derrière, parfait. Good, good, good. Il est où l'autre? Oh, il y en a un là-haut. Alors, un truc aussi, je sais pas si tu sais, mais dans la majorité des bons shooters qui sont un peu focus sur des mouvements précis, on va dire. Ouais. Des mouvements précis mais tight. Qu'est-ce que tu fais avec ton sniper quoi? Ah oui, ok, mais t'es quand même mort. En gros, certaines plateformes qui sont assez pour que tu puisses sauter dessus, et t'en as des qui sont assez pour que tu puisses sauter dessus en faisant un crouch. C'est crouch jump. Regarde si t'as des endroits, tu te dis oh, est-ce que je peux monter. Plutôt que d'essayer de t'accrocher avec tes mains, tu peux faire un crouch jump pour toujours pouvoir shooter en même temps. T'as l'épée là si tu la veux. Non, prends, prends. Ok. Ça marche. Je crois que je les drop quelque part, je suis vraiment mou. Bah, tu vas faire quoi avec cette arme nulle là? Incroyable, il n'a pas tué, mais maintenant il a tué. Ah, aussi un truc super génial, c'est que ma caméra elle ne bug pas. Bien ça. Qu'est-ce que je peux te montrer moi comme spot de jump? Ouh. Tu te débrouilles? Fall back, j'ai fall back, fall back. Fall back, parfait. C'est parfait, l'assistance de les équipages, yes. Oh, les textures de la réflexion de l'eau, du ciel, c'est orange, c'est beau. Oui, les textures ont fini par changer en fait. Et tu sais, alors un truc aussi, donc un autre truc dans les bons shooters arena, en fait c'est les shooters arena, voilà, c'est comme ça. Ouais, attends, je l'ai le grappin. Sans faire exprès, je vais mourir comme un caca, non, je sais. Bah tu peux te grapple à des trucs, tu peux te grapple à des ennemis et tu peux grapple des armes à toi ou des trucs, c'est ultra PG. Yes. Monkey, ouais. Monkey, I'm the monkey. I am a monkey. I jump everywhere. And I bamboozle my teammates. Oh tiens, prends ça. Prends le overshield. C'est quoi? Vas-y, pop-le, pop-le, pop-le. Ah. Pop-le vite.
Yes, t'as double shield maintenant. Par contre, ça disparaît au bout d'un moment, donc fonce dans les ennemis et pa pa pa, tchaka tchaka, pim. Ah, c'est ça, oh, le tiens. Blond là. Ouais. Tiens, regarde, là tu vois, tu peux descendre là. Et mais tu peux aussi monter. Ouais. Oui, mais là tu vois, t'as fait un clamber, c'est ça le truc. Essaye de. D'ailleurs, dans ce jeu, quand les gens ils ont plus de shield, si tu fais un headshot, ils sont morts. J'ai même pas fait exprès de le tuer. Oups, je t'ai accidentellement tué, bro. T'es trop nul. Ça compense un peu. J'aurais une chance, quoi. Il y en a trois là-bas, il y en a trois là-bas. Oh my god, oh, j'ai suis... j'ai pas, ouais, j'ai pas ping. De toute façon, on a gagné parce qu'on a. Oh, mais je l'ai fait encore un kill sans exprès. Du même mec. Eh, les mecs, je vais pas vous dire, mais. Moi, sans faire. Je suis accidentellement plus fort que vous, quoi. Ça me tue. Non, en vrai, j'ai tué avec une grenade. Par contre, c'était le même mec, donc c'est bon. Tchaka tchaka tchaka. Ton ski est pas bien chargé. Genre, c'est un modèle un peu low poly de ton ski, comme quoi. Le skin des autres, ça. Là, faudra que j'essaie de booster ma RAM, je crois. Faut que je m'en rappelle de le faire à un moment. Je vais le mettre dans mes tâches ou quoi. Est-ce que je l'ai mis dans mes tâches déjà? C'est un truc avec XMR, XMR RAM, quelque chose. Est-ce que t'entends? Ah, je t'entends très bas là, je sais pas pourquoi. Non, j'étais loin de mon épaule. Tu sais, qu'est-ce que t'entends pour booster ta RAM? En fait, t'as un truc où genre la RAM, par défaut, elle est genre plus lente carrément que ce qu'elle vraiment que ce qu'elle peut être sans même overclock encore. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas comme les CPU ou quoi ou machin, c'est vraiment genre à moins. Donc je vais essayer de faire ça. Comme ça. Ça serait bien. Alors est-ce qu'on fait aucune idée. Qu'on fait quoi? Victime. Ah, j'ai perdu, il me dit j'ai perdu la connexion au serveur. Non, mais je sais pas pourquoi. T'inquiète, là on va charger la map et bim, tu vas revenir. Mais non, moi, mais je te vends là, coup, ça. Mais... Bah, moi aussi, mais surtout il m'a dit que j'étais plus connecté. Je veux savoir. Tchao, tchao. Maintenant, on fait un petit Victim Battle. Et tu veux, après, on peut jouer à Apex dans Halo Battle Royale. Pas exactement, c'est la Spartan Standing, mais c'est basiquement un Battle Royale. Ouais, essayons. De quoi? Ah oui, j'ai dit essayons, j'ai dit oui, je voulais dire ce week-end je pourrais pas jouer. Ok. J'ai mes grands-parents. Ok. Y'a pas de connexion presque. Ça va être dur. Genre vraiment, imagine tu regardes une vidéo YouTube en 480p. C'est compliqué. Mais t'as de la 4G, non télé... Bah, pas beaucoup, là-bas, ça capte pas de fou, hein. Bah, télécharge des trucs à l'avance. Oui, c'est bien ce que je veux faire. T'as YouTube coup, Premium, disais, si tu regardes... Oui. Mais si tu regardes genre une vidéo YouTube en 480p et qu'on allume la télé, bah, la vidéo, elle cherche plus. Ah oui, parce que la télé, ça prend le... Ouais, ça prend ce qui reste de connexion. Non mais vraiment, une fois j'ai téléchargé un jeu qui faisait 20 dégâts, j'ai mis 12 heures. Voilà. C'était Jump Force, pour te dire à quel point c'était pas rentable de ouf. Caméra toujours opérationnelle online. PG. Nice. Capture the flag. Capture enemy flags to score. La fameuse map. Donc là on est capture the flag, faut capturer le drapeau. Halo Infinite en fait c'est comme
C'est comme un très bon hamburger. Très très bon, genre avec un steak fait maison, bien cuit, à point, tout ça, genre vraiment bonne qualité. La base elle est extrêmement de bonne qualité, mais t'as pas de sauce, genre. T'as zéro sauce. Zéro contenu allié. Ah, y'a d'autres gens qui hate la map, ok. Hey, hey! I see some other map haters. Hello. Hey, big boy. I too have some problems with this map. Là, bon, je vais... T'es où, putain? Ah, t'es là. Alors, voyons voir. Donc ouais, cette map, je suis juste un peu bored de cette map parce que... Bah, la Spartan Standing, là, que tu devais faire pour le challenge et tout, il y avait Vla... En fait, c'était la seule map qu'ils avaient mis pour l'instant dans la playlist pour la faire découvrir à des gens. Donc, sadness, cette map est engrenée dans ma tête. Ouais. Là, tu t'es fait wipe violemment. C'est quoi qui t'a wipe même? C'est deux grenades d'affilée. D'accord, c'était violent, j'ai vu ton corps se... Je suis arrivé, j'ai vu, il m'a dit bah non. Non, non, tu n'as pas envie. C'est ok. Faut que je te montre des spots pour faire des crouch jumps. Ah, il me shoot. C'est quoi qui m'a shoot là? Il y a des gens qui vont sur notre... Sur notre flag. Oh, il y a un gars, il est invisible, qui s'approche. Bon, ce qui est intéressant, c'est que la map elle est asymétrique. Je suis con, toutes les maps sont asymétriques, à part les maps d'arène. Oh, y'a quelqu'un juste derrière ton dos, fais gaffe, retourne-toi, sinon il va te backstab. Sale pute. Bon, il t'a poussé, mais au moins, tu vois, si les gens ils te font une mêlée dans le dos, ils te one-shot. Alors que sinon, c'est deux coups à l'avant. Ah ouais? Yep. C'est un backsmack. Donc faut pas courir quoi, faut se fight. C'est un... Je suis en mode, tu veux courir? Non, c'est pas pour les mauviettes ce jeu. Fight! Oh tiens, attends, il faut que je te... Attends, est-ce que je peux drop les... Ah, je crois même pas que je peux les... Tiens, attends. Je vais te montrer des trucs BG. Ah, je crois que t'as un drop pod... Ouais, alors quand t'as plus de vie, faut reculer parce que genre, quand t'as pas de shield, un coup à la tête, bim, mort. Ouais, c'est pour ça que j'attends. Et c'est bien genre, quand tu t'as plus de vie, enfin de shield, tu back off, t'attends que tes teammates ils t'assistent et après tu... Hop, tu rebats dans le fight. C'est absolument BG. Le teamwork dans la vie. Flag! C'est avec la touche utilisée, la touche E. Ouais. On est pas dans le coup éternel. Je te cours. Alors, prends petit conseil, si tu cours pas ou tu drops pas le flag, t'es invisible. Pas invisible. Il y en a deux. T'es pas visible sur la map, mais en gros, genre, tu. Never mind! Bon, il faut que quelqu'un prenne le flag. Défendre... Avant. Oh bon, là ils sont deux là. Ouais, y'a aucun team. Arrête dessus. Tiens, là t'as un sniper si tu veux tester. T'as quoi d'autre d'intéressant? T'as les petites mangousses là. Coming. T'as quoi? Cet endroit là il est vachement bien pour bamboozle des gens. Genre quand t'es dans des 1v1 ou dans des 1v2 même, tu peux carrément survivre. Genre par exemple tu vois ce petit bidule là, mettons t'as des gens ils viennent dans le tunnel et tout, ils te suivent et tout, toi tu vas là, mais en fait tu sautes là dessus et après ils passent et tu fais pam, tu les tues. D'ailleurs tu prends d'autres armes sur les weapon pads? Des fois oui. Wouh. Alors gauche. Non mais là on va mourir, là on va clairement mourir. Mais c'est marrant. Bah oui, mais c'est pas tellement bah. Alors, où est-ce que c'est qu'on est? Moi j'aime ça. Do you want to play a little game? Do you want to play a game? Oh, là-bas y'a le Active Camo. Il m'a poussé. Je sais pas comment je parle dans le jeu. Comment tu parles dans le jeu? C'est... T'as un bouton push to talk? Bah oui, mais je sais pas ce qu'il y a, le putain. Va dans tes options si t'as besoin. Hey, mec, regarde. Tu me vois?
Oui, mais je suis dans mes options, mais... Tu me vois plus. Je te vois du coup. Non, t'étais mes ennemis me voient, mais... Oh, tu peux rester là. Oh, je suis trop un cheater de la mort. Mais c'est un Mabou, lui. Il s'est pris pour qui? Oh. C'est passage secret là. Oui, alors, ok. Donc un autre truc que je voulais dire, c'est que dans toutes les maps bien designées des arena shooters, t'as, bah déjà, alors, des passages secrets avec des sortes de tuyaux conduits d'aération, genre. Et t'as aussi un côté de la map bleu et un côté de la map rouge. Et pourquoi? C'est pour savoir, c'est pour mieux arriver à différencier la map au fil du temps, quoi. Donc ça, je suis... Alors cette map, c'est un peu le désert, donc ça va être compliqué d'avoir du bleu. Mais je crois ça, là de ce côté où... Bon, par contre, s'il y a tout le monde qui ping, ça va pas le faire. Mais en gros, là où on ping tous, là, et où c'est notre base, ça, je crois, c'est le côté rouge. Tu vois, parce que c'est vraiment, t'as le ciel rouge, t'as le soleil, t'as vraiment pas de bleu du tout. Putain. Et je crois, de l'autre côté, t'as plus de métal et il fait un peu plus sombre, genre, c'est à l'ombre. Oh, d'ailleurs, tu piques quoi toi là? Mais oh là là, y a un gars qui se pointe avec un ghost. Oh, miskin, comme un nul. Il est mort comme une merde. Il s'est cogné contre un mur. Enfin, il est resté coincé entre deux murs et tout, et ça lui a fait des petits dégâts à force de frotter le mur. Et il est mort tout seul après m'avoir tué. Ça m'a donné un. Ça m'a compté le kill. T'es où? J'ai une épée. Ah, ça non, j'ai le répulsor en fait. Alors, le répulsor, petit trick, ça peut pousser les ennemis. Ouais, ça peut pousser des propres et tout. Mais alors, essaye de faire un truc. Saute et pointe-le vers en dessous de tes pieds. Et ça me fait jump en l'air? Ouais. C'était marrant, mais ça risque de me faire tuer. Bah oui, bah faut faire au bon endroit aussi. Oh, Rocket Launcher, tu veux goûter à ça? Tu veux goûter à ça, mec? Banshee, là? Tu crois que tu fais le malin avec moi, mais... Attends, fall back. Bim! Quel nul. Wesh. Oh, mais j'ai plus de munitions du tout, genre. Fais gaffe, quelqu'un qui arrive. Je suis mort, déjà. Et donc, le répulsor, c'est pratique quand t'as quelqu'un, par exemple, qui a une épée ou un marteau. Ah oui, pour l'esquiver. Ouais, bah, pour le balancer, surtout. Genre loin, le repousser de toi. Y'a un mec qui est sur la base. D'ailleurs, attends, est-ce que je peux te montrer un truc extrêmement swag, stylé de la mort? Oui. Si j'arrive à te trouver. J'arrive, je prends la quick wave. Intéressant, un peu risqué, mais ok. Good move. Ah. C'est mon tour dans le jeu. You know what that is. Ouais, vite, c'est ça. C'est vrai que maintenant je suis en push to talk dans le jeu parce que, comme Apex, t'as pas de talk. Je vais push en Halo aussi. Wesh, ça me... Oh, y'a un ghost qui vient derrière. You know what daddy likes. Oh, thank you. Non, mais il y a mon foster aussi. Non, aïe, je vais mourir. Ah, il est mort aussi. Mais en plus, il est encore mort tout seul comme un nul. C'est incroyable. Ça se trouve, c'est le même guys qui meurt à chaque fois. Qu'est-ce que. Ah oui, il me faut les. Non, j'ai juste ça. Merci, j'ai le marteau et je suis mort avec le marteau.
Je veux te montrer avec les petits. Oui, il me faudra un sniper en fait. Bah attends, justement, il y en a un qui est quelque part par là-haut ici. La base turbine. J'arrive. Après, il spawn à intervalles réguliers. Et là, il est pas encore là. Mais il est où? Il est quelque part là-haut là. Attends, là-haut là? Ouais. Faut que j'aille chercher des grenades. Des. Comment ça s'appelle? Des sticky? Non, ouais. C'est un autre nom, c'est genre. 5 minutes remaining. Comment ça s'appelle le sniper? Non, mais il a pas encore spawn, c'est ça le truc. Oui, mais on peut pas voir où il va spawn, ça. C'est pas, t'as un weapon pad par terre, quoi. Mais t'es où toi? Ah ouais? C'est ce truc là. Bah mon ref, non. Il va intercepter. Pas BG BG. Bon, elles sont où mes grenades BG là? Ah voilà, ah. Je les ai trouvées. Un one shot. T'es où? Ah, je t'ai fait, ouais. Ouais, y'a un sniper là-bas qui campe. Ce méchant. Mais j'aimerais le trouver. Bah attends, on a des snipers par là. Par là-haut, normalement, il a dû spawn par là. Ici. Attends, là. J'arrive. Non, et encore un peu de temps jusqu'à ce qu'il spawn. Enfin, c'est quoi le VK commando là? C'est un. C'est une arme automatique qui a beaucoup de bloom, mais elle peut viser très précisément. Genre si tu tapotes, genre si tu tapes, tu vois, elle peut viser ultra précisément et tu peux carrément snipe des gens et les one shot à la tête une fois qu'ils ont plus de shield. C'est vachement génial pour meltdown des gens à la distance. Et sinon, ça peut faire office d'une sorte de d'assault rifle. Ouais, si tu spam, elle est un peu plus lente que l'assault rifle, donc pas aussi efficace à dispatch des gens à la close range. Mais elle est toujours un peu respectable, on va dire. Mais elle est un peu plus long range. Je suis baisé après. C'est une marksman, quoi. Mais perso, c'est mon arme favorite. C'est un peu comme le Torti en vrai. Sauf que, à la place d'avoir un deuxième mode shotgun, bah elle a un deuxième mode assault rifle. Bah je la reprends. Parce qu'elle est bien. Yep. Attends, je crois qu'il y a le sniper là. Ah oui. Yep, sniper ici. Alors attends, avant de le prendre, je vais te montrer un truc BG. Et tu vas peut-être surkiffer ça. Donc le prends pas, je vais te montrer un truc. D'accord. Mais alors, attends. Regarde. Hop. Non, pas sur toi! Non, mon dieu, attends. Derrière. Putain, j'ai manqué comme un con. Bon, anyways, vas-y, prends ton sniper. Je suis trop nul. C'était quand même. Mais non, mais dis pas ça, c'était bien. Bon, t'es comme lui, allons dans le sniper. Faut pas se rater, quoi. Super. Bah, c'est une power weapon, quoi, c'est fait pour. Il y a un mec qui arrive derrière moi avec une épée, je vais pas tirer une seule balle avec. T'inquiète, je récupère l'un pour toi. Où ça? Dans la base, au milieu. Non, mais tu vas avoir aucun drapeau, mon pote. Voilà. Alors, t'as le drapeau de ta grand-mère et c'est tout. Aïe. J'ai reçu une épée dans le mort. Quoi? Ça va péter. Je veux te montrer les trucs cool dans le jeu. Mais je n'y arrive pas. On est même pas allé chercher leur flag une seule fois en fait, je crois. Bah si, on a essayé un peu au début. Bah, non, tu veux dire là, la thème de foncer avec la voiture en plein milieu de leur base et rien faire du tout, quoi? Ouais. J'ai même pas compté ça comme un anathème en vrai. Personnellement. Ça c'était pas mal ça. Ah, par contre, il nous reste 40 secondes et ils font vraiment qu'on aille chercher leur flag. Donc là, je joue sérieux, ok? Je joue sérieux. Est-ce que t'es prêt à m'assister?
Un shotgun. Ok, quelle autre arme j'ai? Ok, j'ai ça. J'ai la assault rifle ici. Oh mon dieu, il m'a snipe avec le bazooka. Il est kill. Je suis mort. Il a le flingue alien. Le flingue alien, tu te rends compte qu'on est dans un jeu sci-fi avec au moins 3 races aliens, genre? Oui, mais genre le truc avec et des violets, armes pour chaque faction. L'arme avec des pics violets. Ah oui, ça c'est. Ouais. Ok. Faut qu'on les bamboozle là. À fond. Ouais. As fuck, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Je crois qu'on s'approche un peu de leur base. Là, il y a beaucoup de gens près de leur base. Ça, c'est bien. On est en train de s'activer, je devrais. Double kill! Nice. Bim! Triple kill! Overkill! Moi, je suis. Moi, à chaque fois, je tue, je meurs. Ouais, pas pour longtemps. J'avoue qu'il veut rien avoir du tout, heureux. Non. Oh mon dieu, bon, j'ai essayé, j'ai fait un super bon défense dans leur. Oh yeah, daddy, did it. Oh yeah. J'ai pas fait grand chose à cette game. The trick was to grapple. J'ai fait Vla, j'ai fait un overkill, c'était PG. 4 kills d'un coup d'affilée. Bien défendu la zone. Le truc en fait c'est que ce jeu il est tellement violent et rapide que j'ai pas le temps de te montrer vraiment des trucs. Est-ce que tu veux qu'on aille genre vite fait dans un truc tous les deux, solo? Ça te dit? Ouais. Ok. Custom game, mode editor, arena. Alors qu'est-ce qu'on... Oula, trop map. C'est du chargeur. Qu'est-ce qu'on fait? Des maps où il y a des ponts. Je sais pas. Aquarius. C'est bien Aquarius. Ou Street. C'est parti, Street. T'es là? Bah, en fait, je suis toujours dans le changement tout à l'heure. Je pense que le jeu m'aime pas. Hein. Tu vois que ça charge ou pas? Il m'a redit, j'ai perdu la connexion au serveur alors que bah je suis encore là. Ah non. Attends, si je suis encore là et pourtant il me dit j'ai perdu la connexion au serveur. En vrai, j'aurais peut-être dû prendre Richard parce qu'elle est bien Recharge. En plus, il y aura Forge qui va sortir dans pas longtemps et oh, ça va être tellement épique et swag et oh. C'est un truc pour faire des maps custom et des modes de jeu custom. Et en plus, là, dans Halo Infinite, ça sera genre vla beaucoup plus que ce que c'était à l'époque. Genre, ça sera 40 milliards d'options de scripting et tout, tu pourras faire tes propres campagnes solo et des bails monstrueux comme ça. Nice. Littéralement, genre, t'as acheté un jeu. Non, tu l'as même pas acheté parce qu'il est free to play en fait, et genre, t'auras accès à je sais pas combien de milliards de jeux gratuits dedans. Ce sera. Et me connaissant, tu peux t'imaginer que je vais passer beaucoup de temps à créer des trucs dedans parce que voilà. J'imagine. Voilà quoi. C'est dingue aussi parce que genre le fait d'avoir un micro qui soit proche de toi,
tu te sens pas obligé de parler fort, genre. Tu peux, tu chuchotes, genre. Je me suis dit, c'est trop bizarre comment tu chuchotes alors que moi je crie fort quand je joue. Là, je peux presque chuchoter et tu m'entends quand même très bien. On fait de la ASMR. Bonjour, ASMR. Non, mais par contre, c'est pratique parce que, bah, en plus, comme bah, je vis pas tout seul, j'ai pas besoin de se dire, hey, machin, pour que tu m'entends. Par contre, c'est un microphone mono. Bon, c'est pas un problème. C'est juste, j'ai remarqué, genre, ça faisait extrêmement bizarre de voir une seule ligne dans OBS. Mais comme maintenant, je passe sur Nvidia Broadcast, et ben, je vois les deux parce que t'as vu. Alors. C'est vrai que ça prend du temps à charger. Genre, j'ai l'impression que ça prend autant de temps que Apex, voire genre une dizaine de secondes de plus, 30 secondes. Alors. Par contre, je jouerai pas non plus Maxitor parce qu'il faut que je fasse mon sac et tout pour demain. Mais... On est tous les deux dans une équipe adverse, mais donc je veux te montrer des trucs dans les maps qui sont cool et tout. Alors oui, t'as vu comment au milieu de la map t'as une power weapon en fait. Donc là t'as le cinder shot. Alors c'est attends, avant de tirer avec cette arme, vise. Attends, mec, vise avec l'arme, tire et après bouge ta caméra pendant que tu vises encore. Oh le rechargement. Alors je tire et après je bouge. Ouais, tu vises, tu tires et pendant que tu vises toujours tu bouges ta caméra. Vas-y. Genre aim. Là je te vise, attends bouge plus. Là je te vise pas. Non, t'as trop proche. Ouais bon je suis un peu trop proche mais t'as compris le gist quoi. Et aussi ça peut rebondir sur les murs donc tu peux faire des trucs ultra stylés et tout, genre mettons il y a quelqu'un qui se cache là-haut. Genre hop là ici là-haut. Tu peux genre tirer, le faire curve sur le mur, puis après il va rebondir et aller dans la fenêtre. J'y arrivais. Ouais, j'ai plus de balles. Ouais. En plus t'as vu les animations de reload, elles sont... Ah tous les guns et... Ouais. Ah tout ce jeu il est ultra polish, tu vois c'est un vrai bon burger avec... Ah un sandwich... Un steak genre bien cuit, ultra bien, tu sais du fromage de qualité mais t'as zéro sauce. Mais c'est dire quoi zéro sauce? C'est à dire genre... t'as presque aucun contenu, ils sont encore en train de galérer, les saisons elles durent genre 6 mois chacune... Tu vois, ils sont vraiment en train d'essayer d'extirper le truc, c'est en mode genre mec, bon on a pas de sauce mais si tu veux on a les restes de jus du burger, si tu veux on te met ça sur le sandwich en plus. Ils sont vraiment en train de galérer, mec je te jure on a de la sauce, ils ont pas de sauce. Pour l'instant, tu vois, après dès qu'il y a Forge qui va sortir là, ça sera en mode workshop pour faire ta propre sauce. C'est en mode ramène ta sauce et là tout le monde, ah putain mon sandwich il est trop bien parce que tu peux mettre ta propre sauce. Et anyway, tu vas au tacos, tu leur donnes ta sauce et ils te la mettent dedans, genre. Yes, et en plus tu peux prendre la sauce de tout le monde et tu peux partager ta sauce avec tout le monde aussi. C'est un peu chelou. En fait, alors sorti de son contexte, c'est un peu chelou. Oui, bon. Ah, tu peux partager la sauce de tout le monde. Arrête de sortir du contexte aussi. Et prendre la sauce des gens. Hein, et en plus, toutes les armes, elles sont différentes. T'as vu quand tu joues à Splitgate, genre toutes les armes, c'est exactement les mêmes. C'est normal dans Splitgate, comme t'as dit. Follower. Une librairie. Raver, join the time game. Bah, c'est pas juste là, tu me tues. Bonjour, Raver. Or hello, Raver. I don't know English, français. Please manifest yourself. Manifest yourself. Hein, quoi? Attends, mec, c'est pas sympa là. Tu veux que je te mette down avec le petit sidekick là? Yep. Oui, il va me tuer. Ouais. Mais vous êtes dans la même équipe, c'est pas juste. Qui ça est dans la même équipe? Bah, toi et lui. Ah, mais c'est toi encore. Non, mais oui, non, mais attends, y a pas d'autres personnes. Je disais dans le chat Twitch, j'ai eu un nouveau follower. Pardon, mais je croyais que c'était un autre mec, c'est pour ça que je l'ai. J'ai mis très oui, oui. Pardon. C'est toujours ton très cher Blasthound. Ah, c'est bien joué avec Emily, c'est bien joué. Donc oui, tu peux voir les power weapons, elles spawnent, tu les vois en orange, c'est celles qui spawnent sur le sol et au lieu des murs. Et c'est les trucs que tu veux aller chercher. Et tu veux te battre. Salut Raver, salut. Hello. C'est les trucs que tu veux... Tu veux contester en gros début de la game. Attends, la prends pas, je vais te montrer un truc ultra stylax. Que si j'arrive à le faire. Où est-ce qu'elles sont par contre? Il faut que je les trouve. Donc là-bas, ça c'est les spikes. Prends pas. Attends. Je vais te montrer le truc.
Est-ce qu'elles sont... Et donc oui, tu vois comment qu'on était dans Splitgate, toutes les armes, c'est littéralement la même. Genre, c'est genre, arme sci-fi, je sais pas quoi, alors que là, genre, chaque arme, elle est tellement différente et elle a tellement sa propre personnalité et sa propre animation de reload. Est-ce que c'est là? Oui, c'est bon, j'ai la grenade. Ok, attends, j'arrive. Donc, tu vois le cinder shot, là? Tu vois le cinder shot? Attends, me shoot pas, mec. Et on est copains. Tu vois, mettons, là, t'as des gens et tout, ils sont en bas, ils sont en train de se fight pour aller prendre l'arme. Et toi, t'es en mode... Ouais. Mais viens, regarde pour monter, pour voir. J'arrive pas à monter juste sur ça. Ah, c'est bon. Ok, alors, attends, décale-toi. Regarde, ils sont en mode, ils sont en train de se fight pour l'arme et tout. Et t'es en mode, eh, les guys, vous êtes trop des plébiens, genre. Et en plus, ça te donne une médaille, genre, il dit Combat Evolved. Et ça, c'est nice. PG. Voilà, tiens, arme. Cadeau. Merci. Et donc, comme tu peux le voir, les maps qui sont très bien designées dans les arenas shooters, elles ont des passages secrets ainsi que une zone bleue et une zone rouge. Donc là, je crois que ça c'est la zone bleue parce que t'as du bleu là, t'as la police, t'as le truc bleu là. Tu vois. Bon, après, cette map elle a beaucoup de lumière. Elle est très jolie d'ailleurs. Mais comme elle a beaucoup de lumière, c'est difficile de dire c'est quoi bleu, c'est quoi rouge. Mais je pense que ça c'est le coin rouge parce que tu vois Subway. Là, les murs là ils sont orange. Et là-bas t'as la police et t'as une sorte de hologramme bleu. Donc ça aide à distinguer les deux sides de la map. En plus t'as des plantes et tout, c'est un peu abandonné, c'est trop bien. En plus le ciel, je crois que j'ai jamais regardé le ciel dans cette map, il est assez stylé. Parce qu'en fait on est dans New Mombasa. Attends, est-ce que c'est quoi? Je crois qu'on est dans New Mombasa. Oh mon dieu, je suis en train de délirer, c'est incroyable la référence. Je me sens comme dans un vieux jeu Halo. Tu t'es fait tuer tout seul, miskin. Mais c'est toi tu m'as tué. Non, c'est toi, tu t'es auto-tué avec ton arme. Le dernier coup, c'est toi qui te l'ai fait. Dur. Mais du coup, tu sais, y a pas du tout possibilité d'avoir un grappling infini ou un mode personnalisé. Ah, si, ouais, quand t'es en mode training, je crois. Alors, je pense, si je tweak des paramètres, ouais. Mais sinon, tu peux en stack jusqu'à 5. Je crois que ça t'en donne automatiquement 5 quand t'es en mode Big Team Battle et que 3 quand t'es en mode arena. J'ai envie de dire. Je crois pas qu'il y a des grapples dans cette map par contre. Mais je connais une map qui en a si tu veux que je te montre. Je suis partant. Ah, tiens, là t'as un gun qui est le meilleur gun de la game que tout le monde a agréé que c'est le meilleur gun de la game. C'est ça, c'est le Battle Rifle. Battle Rifle le beer. Ouais. Et donc le Battle Rifle. Shoot. Oh le bruit. C'est une arme. Je sais pas comment ça s'appelle là, le. Enfin, c'est une burst quoi. Rafale. Voilà. Donc c'est les meilleures armes du jeu, ok? Et puis t'as rien à dire. Les meilleures armes de tous les jeux, elles sont en burst guerrière. Et quand t'es en mode ranked, enfin pas ranked, je sais pas c'est quoi. Non, je crois que c'est ranked, je sais même plus. Mais en gros, dans les modes genre pas casuels, tu vois, plutôt que de spawn avec genre l'assault rifle là qui fait brrr, et le sidekick, et bah tu spawn avec BR et c'est tout. Et c'est combat de BR. Les BR, c'est trop bien, les BR. C'est genre. Il faut... En plus, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de recoil. Genre, tu shoot. Enfin, bon, si, t'as un peu de. Mais en gros, genre, si tu continues à shoot, ta caméra, elle va jamais se décaler à l'infini, tu vois. Elle va pas, genre, monter jusqu'au ciel. C'est genre, elle se décale pendant que tu shoot et après, elle revient. Donc, t'es pas sympa là. Tu me l'as tué, je me venge. Nofer avec ton arme. La complexité de Nofer. Bon, attends, viens, on fait map avec un grappin. Bah, viens, on fait juste des games normales. Ah, là, il est 43. Donc, toi, tu t'arrêtes de jouer quand? Bah, 11h, je pense, max. Genre, d'accord. Parce que demain, à moi, à 6h du matin, je suis levé. Ça marche. On va faire multijoueur. On va faire un petit. Un lane grab, c'est parti. En espérant que ce soit Recharge, parce que Recharge c'est une map BG.
Donc land grab c'est contrôle mais dans Halo. Dis c'est contrôle mais dans quoi? Contrôle mais dans Halo. Oui. Après c'est plus que contrôle, c'est Halo dans APC. C'est Halo dans Halo, waouh. Wow. Yep. Moi je suis petit. Mais en plus, non, franchement, waouh, genre avoir des maps avec un coin bleu et un coin rouge et un passage secret conduit d'aération, c'est genre waouh, tu te dis ah le jeu il est bien. C'est bon, confirmé, le jeu il est parfait. C'était vraiment très chiant parce qu'à chaque fois, du coup, il me dit je suis déconnecté du serveur. Ouais, je sais pas, un truc bizarre. Mais ça va, y a, enfin, on s'en fiche. De toute façon, t'arrives à jouer. Après, ça ralentit peut-être les temps de chargement parce que c'est vrai que là, ils ont l'air un peu longs alors qu'on est que deux. Bah, moi, donc, je sais pas, c'est quoi. À chaque fois, c'est des nouvelles maps, je les charge à chaque fois. T'as installé le jeu sur un disque dur? Peut-être. Parce que c'est vrai que c'est mieux sur un SSD. Ou un disque dur rapide au moins. Mais le jeu, il a. C'est connu qu'il a des temps de chargement. Encore cette map? Bon, ok. C'est une bonne map. Et c'est connu que ce jeu il a des temps de chargement très longs pour des trucs stupides, comme par exemple juste le menu, genre. Genre, littéralement, tu démarres la game, il faut que t'attends deux minutes jusqu'à ce que le menu de tes challenges il load. En fait, genre, tu démarres le jeu, tu peux déjà lancer une game avant que le menu de tes challenges il load pour que tu puisses voir ce que tu dois faire comme challenge. Tu vois, et tu peux pas non plus voir tes challenges pendant la game, contrairement à Apex. Donc c'est un peu parasique. C'est genre, tu vois, ce jeu, il a des problèmes bizarres. Genre. C'est comme si t'avais un super bon hamburger, tu on recommence avec l'exemple du hamburger. Et genre, avec un super bon steak bien cuit et tout, donc t'as pas de sauce, ça c'est confirmé, on en a déjà parlé. Mais en plus, il y a des problèmes bizarres avec le hamburger, mais c'est pas des problèmes standards en mode genre, oui, il est pas très bien cuit, le machin, c'est en mode genre... Je sais pas, je saurais pas trouver un problème sur un hamburger qui serait pas standard et ultra bizarre, mais... Mais attends, il y a deux gens qui sont AFK dans l'équipe adverse, qu'est-ce qu'il y a? Bah attends, plus ça va faire des kills en plus, hein. J'adore l'OST du multijoueur. Comment ça, kill assist? Gros, j'ai vidé tout mon chargeur dans la bouche, j'ai que un kill assist. Ouais, parce que c'est moi qui l'ai fait. Tu te fais violenter par toutes les... Mec, je crois que je me suis jamais fait violenter par deux grenades d'un coup et toi tu l'as déjà fait deux fois. Non mais c'est juste, ça me fait marrer de voir ton corps se faire flinguer à l'autre bout de la map comme ça, genre bam bam, gauche droite, genre. Ça me fait péter de rire. Par contre on se fait niquer les deux autres coins là. C'est vrai. Bah après on est déjà en avance mais... Oh, c'est des grenades! Des grenades! Il y a un mec qui est AFK après. Ouais, t'as deux ennemis, je crois, ils sont AFK total. Non, mais là sur le point là de capture, il y a le mec qui avait capturé après, il était AFK. C'est du bon air, mais je m'en fiche. Je vais respawn, attends. Là, ça capture plus ici. Mais les points ils bougent. Les points ils bougent. Le point de capture. Pourquoi il bouge? D'accord, bon, je suis juste... Enfin non, à chaque fois que les trois ils sont capturés, bah oui, ça change de zone quoi. Ah, genre, c'est genre prochain tour. Alors, il y a quelqu'un là qui descend. Ah, d'ailleurs, quand tu vois Trifortree dans leur nom, c'est que c'est des bots en fait. Genre, parce qu'il y a quelqu'un qui a quitté et il l'a remplacé par un bot. Donc là, tu peux voir qu'en effet, dans l'équipe adverse, t'as genre la liste. Si t'appuies sur Tab, la liste des ennemis elle est ultra longue. Parce que il y a tellement de gens et de bots qui ont quitté et qui sont revenus. Donc c'est extrêmement marrant. Aïe, 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 aïe. Fais gaffe, il a un Cindershot. Non, mon dieu.
Oui, alors tu vois, regarde, un des problèmes bizarres que ce jeu il a. Tu peux mettre des skins sur tes armes. Mais pas les armes aliens. Que les armes des humains. Ouais. C'est genre, c'est quelque chose, c'est étrange. Je sais pas, c'est pour la lore, c'est pourquoi. Je sais pas, personne ne sait. Ouais, tu fais rien du tout, toi. Quel autre problème, putain, dans ce jeu ? Ils sont marrants. Mais une fois que c'est capturé, genre. Ouais, c'est ça, l'end grab, en fait, c'est t'as les 3 points. Oui, donc c'est pas exactement comme contrôle dans Apex, c'est... C'est un peu différent, voilà, quoi. Ils sont en avance. Oups. Ouais, attends, je me concentre. Ah, je suis tellement concentré sur mes analogies de hamburger et tout que je pas le temps de me tromper. Cinder shot inbound. Il est stock. Moi j'ai pas de vie. Back, moi je dis. Je suis explosé la gueule. Ils sont en train de prendre les zones, c'est pas bon. Ok, on a B au moins. On va les rattraper peut-être. Ah, on a pas eu B. On a pas eu B, ah merde. Attends, attends, j'arrive sur B. On a encore un round. Ça. J'ai du mal, hein. Alors les deux zones là, il y a que deux zones donc il faut qu'on les sécure les deux. Ouais mais... Parfait. Oh mon dieu. Yikes. Oh, bah je suis pas fait. C'est marrant parce qu'il y a une vidéo qui est là dans mes notifications YouTube qui est en mode genre ouais, la vraie raison des écrans d'attente dans les jeux multijoueurs. Et en mode justement, c'est exactement ce que je venais de penser là pour essayer de voir c'est qui charge le plus longtemps entre Halo et Apex. Et puis c'est en mode hé hey, mec, c'est marrant ça, pourquoi j'ai une vidéo qui parle d'exactement ce que je venais de penser. Anyways, donc là t'as plus le temps d'en faire une autre? Ouais, il me reste même pas 10 minutes quoi. Donc ouais, non, ouais, non. Oui, non. Bah vas-y, faut que je sorte du jeu okay. De la game. Mais... Papara. Je recharge mon sortie de game là. Bof. Pas top. Ah, c'est j'ai enfin été déconnecté du serveur. Sinon, je suis dans le lobby. D'ailleurs, t'as vu le reward pour les challenges, c'est un badge Clippy. Ah oui, j'ai vu ça sur Steam. C'est absolument incroyable. Ça me fait toujours marrer quand même de penser que... Oui. Que genre tu peux pas customiser les armes des aliens. Genre moi ça me va, ça me convient, ça me paraît logique dans un sens de la lore ou quoi, tu vois. Mais c'est genre en mode... C'est que, genre tu démarres un jeu, t'es en mode « Ah, je peux customiser mes armes !»« Ah, mais que celle-là » c'est chiant, mais c'est pas... C'est très rigolo, je trouve ça rigolo un peu.
Tout le monde joue à Stray, c'est incroyable. C'est quoi qu'il y a avec ce jeu? C'est pas juste un chat dans une ville. Oui, mais il est très bien ce jeu. Pourquoi pas jouer à Blinks tant qu'on y est? Bah, c'est pas la même chose. Bah oui, parce que Blinks c'est un jeu vidéo avec du gameplay. Moi, hier, j'ai joué à Stray 1h30, bah c'était bien. Et il se passe quoi dans le jeu? Bah, tu découvres. Il y a du combat, il y a des guns. Non, il y a pas des guns. C'est qui gagne? C'est qui le méchant? Pour l'instant, je sais pas encore. Mais en gros, t'arrives dans une ville et il y a plus d'humains. Et du coup. À la fin de la game, ouais, bah, c'est révélé que tout ça c'était un rêve. Ça, ce serait trop marrant. Genre, tu fais toute une IP comme ça, genre. Vla poussé avec Vla, des tonnes d'années qui se sont écoulées, et plein de combats et plein de trucs. Intéressant comme ça, et genre plein de personnages qui interagissent même off screen et qui évoluent et tout, et donc tu te dis ouais, c'est un monde réel et tout, et à la fin non, c'était qu'un rêve, genre tous ces milliers de personnages à travers toutes ces centaines d'années, tout ça là, non, c'est qu'un rêve. Même si t'as vu quelqu'un genre naître et vieillir, c'est genre j'ai rêvé tout ça. Genre Halo tout ça là, toute la franchise, c'était qu'un rêve. Je jouerai à Stray demain. Ok. Juste pour t'embêter. Je filmerai mon gameplay, je te l'enverrai après. Bah, Stream, Fortnite. Bah, non. Attends, c'est populaire comme jeu. Je suis chez mes grands-parents, donc je pourrais pas streamer. Tu sais que j'ai une connexion pourrie chez mes vieux. Enregistrera, tu. Et après, je. Démarre le truc sur VLC et puis tu stream en même temps. Ah, c'est bizarre. Autant genre plutôt me filmer carrément à la webcam et tout, et après je stream la vidéo. Ça n'a pas de sens, mais c'est rigolo. Je pense qu'il y a des gens qui font ça. Non, ouais, attends, tu filmes ton écran à la webcam pour le record, puis ensuite tu le stream en filmant à la webcam ton recording qui a été filmé à la webcam. Non, non. Quand même, je suis pas habitué à ce point-là. Genre. Et puis après, tu prends un screenshot de tout ça. Putain, j'étais en train de marcher et le pont il a apparu autour de moi. Attends, tu sais, ça me fait marrer parce que tu sais, le fait de prendre une photo d'une photo, genre. C'est un concept extrêmement marrant. Genre, tu vois les liqueurs et tout qui font en mode genre, ils prennent une photo ultra fou, ultra genre. Prise sur le moment comme ça, en mode genre, oh, il fallait pas que je me fasse voir et tout ça. Mais ce qui c'est trop marrant, tu sais. Pour vraiment faire une blague en mode genre haha les liqueurs c'est marrant, c'est de voir un liqueur qui prend une photo floue d'une photo floue. Comme ça serait vraiment en mode ah ouais, c'est clairement un vrai leak ça. Ouais, mais y'a personne avec moi là. Bah on est tous morts un peu. Bah ouais, bah fallait pas. Bah, oh là, attends, ils sont en train de nous exploser bah, la chatte. Oui, justement. Je suis nul, je n'arrive pas à visser. Mais, non mais tu me dis gros mots comme ça, c'est que... Oui, désolé, ça me... C'est mon rebond. C'est le micro qui me donne envie de faire des impressions intéressantes. Oh mais, il y a une putain d'air. Non mais je suis en train de tester le micro, t'inquiète. Merci beaucoup. Oh mais merde, ils sont par derrière aussi. Mais quoi? Non, poussé. Oh merde, j'ai même pas fait. Bon, on a bouton. Oh le jeu est nul. Oula. Ah ouais, tu l'as capturé celui-là? Fils de pute. Avec la grenade, je me dégoûte, mec. C'était tout seul. Enfin, je me bats des gros avec, mais. Du coup, il va prendre le point à cause de moi. Ouais. Mais vous êtes où? Ma vie, elle sert à rien. Je pense que j'aime toujours pas trop Halo.
Désolé. Je pense que maintenant que j'ai assez speed gate, je préfère ce que... Bah comme c'est un peu plus proche de quelque chose que tu connais avec Portal. Ouais. Et aussi le la vie. Bah en fait parce que t'es pas encore habitué à la danse, donc c'est... J'ai plus joué à Halo que à Portal dans ma vie. Hein. En fait le truc c'est que tu vois dans Halo, c'est genre le fait de shooter en premier ça garantit pas que tu vas gagner. Alors que dans d'autres jeux comme dans Apex ou dans Splitgate, au moins genre tu peux avoir des kills comme ça juste vite fait parce que t'as réussi à toucher la personne en premier, tu vois. Alors que dans Halo c'est pas quelque chose qui se passe, c'est genre en mode ok t'as touché en premier mais est-ce que tu sais danser maintenant. Parce qu'il faut vraiment bien gérer avec les grenades. Mais c'est vachement bien, tu vois. Les combats, genre là, si tu regardes. On était 3 sur le guys. Et il a quand même survécu, tu vois. Il a quand même réussi à bouger. Et puis, il faut apprendre à bouger, monter sur des props et tout. Danser comme un petit singe. Il y a un sniper encore là. Est-ce que je peux changer pour une arme mieux? Côté. Passe-moi ton arme. Ouais, ils sont vraiment en train de nous exploser. Three zones incoming. Il lance ses grenades dans le vide, lui. Ils sont vraiment puissants quand même, les ennemis là. Oh putain, faut bailler tout ça. Ils sont deux. Ok, là il faut vraiment qu'on prenne toutes les zones, genre on peut pas en laisser une seule même. Yikes, ouais, ils vont avoir pas. Okay. Alors c'est vrai que Halo Infinite c'est assez sweaty parce que Tavla. Ils ont designé les maps d'une manière que t'as zéro endroit de repos. Contrairement au vieux Halo. Donc c'est vrai que. C'est v'là. Sweaty. Même les maps BTB en vrai elles sont un peu comme ça. Dire quoi sweaty? Tu transpires de fou. Tu vois le même là du guys qui est en mode en train de taper son clavier et qui est en mode. Putain, non! Ouais. C'est ça, sweaty. Anyway, c'est nice. Yo, Alex. Yep. Je vais te laisser. Yep. Passez une bonne fin de soirée, du coup. Ça marche, toi aussi. Merci, à plus. Bye. Bye.